Salut les gars, c'est Flo, j'espère que vous allez bien, moi ça va impec. On se retrouve pour la série Invincible, donc sur FUT 14. On était à 5 victoires consécutives, on avait fait la 4ème et la 5ème plutôt, avec cette grosse équipe. Pour l'instant on est bien. J'ai vu pas mal de vos commentaires, il y en a d'entre vous qui disent que voilà, je vais arriver à 15, à 12, à 10. Il y en a qui disent 60, 30, 45. Bon, je peux déjà vous le dire, ceux qui pensent à 30, 40, 45, déjà vous êtes des grands malades les gars. J'ai beau avoir une grosse équipe, vous avez pu le voir dans l'épisode précédent qu'il y a des mecs qui arrivent à avoir des équipes peut-être, voire même meilleures que la mienne, tout simplement en ayant quelques légendes et en jouant mieux que moi, parce que voilà, j'ai pas un niveau excellent sur ce fut là, mais en tout cas on va essayer tout de même d'aller le plus loin possible. Donc on est parti. Pour ce match, les gars, je vais essayer d'aller à la... Allez, 8 victoires, ce serait pas mal. Let's go. Il a le logo de Napoli. J'ai oublié de changer mes maillots. Bon, on va jouer en jaune. J'ai complètement oublié de changer mes maillots une nouvelle fois. Oh là là, Union Park aussi. Notre stade est pourri. Il a plus de 80 en note générale, je suppose. 84, allez, c'est parti. Allez, voilà. Higuain, Neymar devant. Le petit scoop turn et le but. Bon, allez, let's go, les gars. Commence fort. On commence ce match à la 17ème minute de jeu avec Sterling qui décale dans la surface pour Sturridge. Sturridge face au but qui frappe. C'est arrêté par le gardien. Derrière, ça revient dans les pieds de Ramirez. J'ai pas réussi à tirer dans le but vide, c'est dommage. Derrière, va y avoir un corner. Et vous allez voir que ça lag énormément. Donc là, regardez le corner qui met 18 ans à arriver dans la surface. Donc il parvient à se dégager. Je la récupère donc avec Suarez. Donc là, je joue là-haut. Hop, petite feinte de frappe, je me retourne face au but. La grosse frappe. Un nouvel arrêt du gardien, donc là je me dis, bon, ce sera peut-être temps de marquer parce que là on met une belle pression. Gerrard au corner, je centre, compagnie de la tête, c'est arrêté par le gardien. Donc là on a une petite touche, 31ème minute de jeu. Sturridge qui joue pour Gerrard, la feinte de frappe. Gerrard qui attend une solution, il fait une petite passe dans l'intervalle pour David Silva. David Silva dans la surface, petit placé pied droit, 1-0 les gars, 32ème minute de jeu. C'est parfait, on prend l'avantage. Gerrard, magnifique passe, rien à dire. Et Silva qui finit bien en plus de son mauvais pied. Donc 1-0 dans ce match, 37ème minute de jeu. Là il y a un long LBY, je me foire avec Kompany. Du coup il tire, c'est arrêté par le gardien, ça revient dans ses pieds et le but. Donc voilà, moi j'ai eu la même occasion mais ce n'est pas rentré, lui ça rentre. Un partout dans ce match, donc la petite talonnade et je décale pour Sterling. Sterling qui frappe, c'est arrêté par le gardien. Moi ça marche pas, c'est arrêté par le gardien, je voulais tirer derrière. Mais ça marche pas les gars, toujours un partout. Un petit peu contre le cours du jeu, mais on reste dans le match, on continue d'attaquer. Donc là, Sterling qui récupère dans la surface, la frappe croisée. Et là, j'étais dégoûté, j'étais énervé contre Sterling parce que cette balle-là, il doit au moins la cadrer. Suarez qui joue dans la profondeur pour Gerrard. Gerrard qui va frapper et le but, les gars. Comme vous avez pu l'entendre, le mec a gueulé. Il a dit, mais il a dû se demander, mais comment il a fait Gerrard pour partir au but comme ça. Donc voilà, Gerrard qui part au but. Hop, le petit placé, hein, j'ai pas pris de risque, j'ai vraiment assuré. 2 buts à 1 les gars, on rentre dans les 15 dernières minutes de jeu. Suarez qui frappe, c'est contré. La reprise de volée, c'est contré cette fois-ci par le gardien. J'essaye de la récupérer, je me fais fracasser. Donc pas de faute. Là je tac pour récupérer la balle. David Silva, le petit dribble, donc là je suis assez loin. Je tente quand même ma chance de très très loin. C'est arrêté par le gardien. Derrière il me met un start, je ne sais pas pourquoi. Toujours utile que derrière, il y a le corner. Et au deuxième poteau, Kompany qui vient claquer sa tête. 3 buts à 1 les gars. Donc ça me fait un petit peu rire de l'entendre mon adversaire rager. Donc voilà, après on rentre dans les 5 dernières minutes de jeu. Sterling qui joue en retrait pour Suarez. Je frappe, c'est arrêté par le gardien. Et je finis par le mettre, le même but qu'il m'a mis. C'est un arrêt du gardien et derrière il y a l'attaquant qui surgit pour marquer dans le but vide. 4 buts à 1 en toute fin de rencontre. Donc voilà, belle petite victoire, 4 buts à 1 sur un rage kit. Le rage kit en fin de rencontre qui ne sert à rien. Donc voilà, victoire 4-1. Je vous avoue que pendant le match, on est resté longtemps à un partout et j'ai pas eu peur, mais je me suis dit, voilà, quand tu domines autant, t'as les occasions et tu marques pas, tu vas te prendre un centre tête but, Flo, tu vas te prendre un LBY ou quoi, et au final, donc ça passe, ça fait plaisir. Victoire 4-1, on continue notre série, les gars, 6ème victoire, on enchaîne, let's go. Gerrard très très fatigué dans ce match, mais il m'a encore fait un match de feu, un très très bon match, donc...
Donc c'est parfait. Je vais juste mettre une petite carte forme sur les joueurs. Parce que là, 84, ouais, ça commence à le faire. Petite fatigue là. Petit coup de mou dans mon équipe. Hop. Voilà. Tout le monde est bon. Tout le monde est bon. 99 partout. Let's go. On enchaîne, les gars. C'est parti. Sturridge est bon. Toute l'équipe, franchement, je commence à apprécier un petit peu tout le monde. Juste Sterling. Un petit peu en dessous. Avant, j'étais plus sur Sterling, très très bon, et le côté gauche David Silva, je ne le voyais pas. Et là, maintenant, je sais pas. David Silva, il me fait de très très bons matchs. Son côté gauche, il le tient bien. Pied droit, pied gauche. Très très bon, donc rien à dire. Et une petite note de moins bien sur Sterling. Donc voilà. Peut-être que dans ce match-là, ça va être l'inverse. En tout cas, je me le souhaite. En tout cas, ce que je me souhaite, ça serait de trouver un adversaire. Je ne sais pas ce qu'en pense IA. Mais s'il vous plaît, trouvez-moi un adversaire, ça serait pas mal. Bon. On a enfin trouvé un adversaire, les gars. Let's go, c'est parti. On joue à l'extérieur. Les maillots sont encore une fois dégueulasses. Je garde mes maillots dégueulasses. Forcément, on avait le logo du Real, donc forcément, on avait le maillot, le stade de Santiago Bernabéu. Collectif de 82. Ouh là 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 là. Le buteur, je sais plus comment il s'appelle, il va très très vite. Mbappé avec lui. Il s'est fait une petite hybride assez sympa. Avec une défense de malade, parce que David Luiz et Boateng, c'est chaud. Et Neuer dans les buts, allez. C'est parti. On commence ce match dès l'engagement. Deuxième minute de jeu. Sterling qui joue pour Sturridge. Sturridge, le petit scoop turn pour éliminer le défenseur. Il enchaîne avec un petit placé. C'est arrêté par le gardien. Donc là, on commence très très bien le match. Derrière, ça donne un corner. Qui dit corner dit Gerrard. Gerrard pour centrer. C'est dégagé par la défense. David Silva qui récupère. Il frappe. C'est contré par Cahill. Cahill qui joue pour Ramsey. Ramsey qui remet pour David Silva. David Silva qui se retourne par un petit dribble. L'enroulé pleine lucarne. Ça tape la barre transversale. Et Suarez qui a bien suivi pour pousser le ballon dans le but vide. Donc voilà, là ça fait plaisir, 1-0. Je suis un petit peu dégoûté parce que la frappe de Silva était magnifique. Ça aurait été assez joli que la frappe rentre du premier coup. Donc là on enchaîne, petite balle piquée, je frappe avec Silva. Et là l'arbitre qui siffle un penalty. Donc bon, moi je prends un penalty directement. Gerrard au penalty, la grosse frappe, grosse mine, pleine lucarne, c'est parfait. 2-0, 9ème minute de jeu, on fait le break. On est très très bien dans ce match, récupération de balle. Gerrard dans la profondeur pour Sturridge. Il tac, je ne sais pas pourquoi. Derrière, je parviens à récupérer la balle Sturridge. Je vois qu'au deuxième poteau, Suarez est tout seul. Je centre pour la tête et le but. Donc voilà, sans tête, but. 3-0 dans ce match. Là, on est très bien. Là, il y a un LBY. Donc il passe. Mbappé qui tire. C'est contré. Dembélé qui essaie de marquer. Et mon défenseur qui tacle. Donc là, j'ai sauvé une belle balle. Derrière, il va y avoir un corner. Boateng de la tête. Grosse tête. Donc là, il était même pas au point de pénalty. Il était limite plus loin. Il parvient quand même à mettre ce but. 3 buts à 1. LBY loin devant. Donc là, il passe. Il face au but, il tire, c'est contré par mon défenseur et ça rentre, je mets un but contre mon camp. Donc là j'étais un petit peu dégoûté, ça relance totalement le match. 3 buts à 2 les gars, et là, LBY une nouvelle fois les gars. Vous allez voir un nombre incalculable d'LBY. Donc là, on est juste, c'est ceux de la deuxième période hein, pour vous dire. La première période je les avais pas mis, donc là le deuxième est là. Le troisième LBY va vraiment y en avoir je ne sais combien les gars. Allez on est parti, encore un LBY, quatrième LBY. C'est juste ouf, donc moi je vais attaquer entre les deux. David Silva, le petit dribble, le petit festival, le crochet. Je suis face au but, j'essaye de faire une petite frappe pied droit pour terminer, mais ça n'est pas passé. Cinquième LBY, ça ne passe toujours pas hein. On va quand même tenter un petit sixième, voilà, allez. C'est juste abusé les gars. Et là je vais rigoler parce que moi je vais tenter un LBY et ça va passer. Donc voilà, ça sert à rien de tenter que des LBY tout le match. Vaut mieux varier et en tenter de temps en temps comme moi. Et voilà, ça passe. Donc là, j'étais vraiment content, surtout contre un mec qui a fait que ça. Et il continue d'en faire, comme vous pouvez le voir, les gars. C'est abusé. J'ai jamais vu un mec faire autant d'LBY en une mi-temps. Je crois que j'ai dû en manger une dizaine. Même en fin de match, regardez. Il fait un LBY. Donc voilà, j'étais juste choqué. Au final, je remporte quand même ce match face à Monsieur LBY. 4 buts à 2. Waouh. Là, je suis tombé sur un mec qui avait une licence en LBY, les gars. C'est ouf. Je sais pas si je vous l'aurais mis pendant le résumé du match, mais le mec a fait un nombre de LBY incalculable. C'est juste ouf. Donc voilà, je suis content de remporter ce match 4-2. Parce que franchement, bah, je mets un but contre mon camp et il met un but sur corner. Donc voilà, victoire 4-2. Ça fait plaisir. On enchaîne, les gars, on continue. On est sur notre lancée, ça fait plaisir. On est bien. Pour l'instant, on est bien. Septième match. C'est parti. On continue. Les joueurs sont en forme, logiquement, puisque j'ai juste mis une carte forme au match précédent. On va s'arrêter à 8, je pense. Dernier match de la vidéo, les gars. Oh, il a réussi à me blesser Suarez. Pied. Est-ce que j'ai un truc pied, moi? Soin. Pied, s'il te plaît. Allez, pied. Oh, j'ai toute blessure. Ça passe. Parfait. Parfait. Allez, let's go.
Let's go, on enchaîne. Gerrard qui se fatigue pas mal. Hein. Gerrard et Suarez. Suarez, il revient énormément défensivement. Franchement, à chaque fois, il revient. Et puis, Gerrard, bon, on le voit partout. Gerrard, il est partout. Il frappe, il passe, il récupère. Donc voilà, ça fait plaisir. L'équipe est très, très bien comme ça. On a un très bon gardien aussi. Donc, tout est bon. On a une très, très bonne équipe en même temps. On joue à domicile dans notre vieux stade tout pourri. Je joue en jaune. Vas-y, vas-y, je vais jouer en jaune, mec. Voilà, je te laisse avec ton maillot noir que je peux pas voir. Je joue en jaune. On joue dans notre vieux stade tout pourri. J'espère que t'as une équipe pas trop trop forte pour finir. 83, oh, une équipe correcte. Une équipe correcte, mais bien bien cheatée. Il a pas compris le principe, le mec. Il a fait full BVB. Il a cru qu'il était en mode saison, le mec. Donc là, j'ai peur. J'ai un petit peu peur, mais on va essayer de gagner quand même. Allez, c'est parti. C'est mon adversaire qui va attaquer en premier. Donc là, deuxième minute de jeu. Pitchek pour le centre. La tête d'Aubameyang. C'est arrêté par le gardien. Il va falloir être vigilant. Donc là, Gerrard qui joue pour Sturridge. Sturridge qui avoue Sterling partir. Donc là, Sterling qui est servi. Sterling qui accélère. Il prend la défense de vitesse. La frappe au premier poteau. C'est dommage. Il a raté son duel. Donc là, on continue d'attaquer. Belle contre-attaque. 3 contre 2. Donc là, 2 contre 2 plutôt. Gerrard qui remet pour Sturridge. Sturridge, le petit crochet. Plein axe. Donc là, face au but. Et le petit placé qui passe sous le gardien. 1-0 dans ce match. 21ème minute de jeu. On prend l'avantage. C'est parfait. Suarez qui part au but. Le gardien qui sort. Hop. La petite balle piquée. Et ça rentre, 2-0, la sanction immédiate. Donc voilà, Suarez qui marque son petit but. C'est parfait, on fait le break. Magnifique petit lob de Luis Suarez. Donc là, on continue d'attaquer tranquillement. Sturridge qui dribble, il joue en bas pour Sterling. Et là, boum! Sterling qui pousse sa balle, la vitesse de Sterling. Donc là, j'étais un petit peu en angle fermé. Je tente quand même ma frappe. Mais bon, c'était pour vous montrer la vitesse de Sterling. La 35 mètres, le coup franc de Steven Gerrard, la barre transversale. Coup franc de 35 mètres, les gars. Ça aurait été ouf de marquer un but de là. Donc la Sturridge, fin de frappe dans la surface, le petit crochet. Et il finit avec un petit placé pied gauche. 3-0, donc là on déroule juste avant la mi-temps. Et là à la mi-temps, comme vous pouvez le voir, mon adversaire a fait juste un tir. Donc vraiment on domine. Et bah là on récupère la balle, sauf qu'on la perd directement. Schürrle qui accélère côté gauche. Donc là il déborde, il va au bout de la ligne droite. Il centre au deuxième poteau. La tête, c'était une tête vraiment bizarre. Tête lobée, au final ça rentre. 3 buts à 1, donc mon adversaire qui revient un petit peu dans ce match. Et là pareil, sur le côté gauche, le centre, la tête, ça tape le poteau. Et derrière il finit par marquer 3 buts à 2. Le match est totalement relancé les gars. Je me suis dit mais non mais c'est pas possible de dominer autant. Et le mec, deux occasions, il revient. Donc là je vais essayer d'attaquer. Gerrard qui joue dans l'axe pour Sturridge. Sturridge tranquillement, le petit placé à ras de terre. 4 buts à 2, on refait le break dans ce match. Donc là c'est parfait. 77ème minute de jeu, le petit dribble de Ramsey. Et hop, Ramsey qui lance tranquillement Sturridge. Caviar, on peut dire, hein. Ramsey qui a envoyé un caviar pour Sturridge. Et derrière Sturridge, bah Sturridge c'est pied gauche magique, hein. Voilà, le petit placé. Et ça rentre, 5 buts à 2. Gerrard qui joue pour Sturridge. Sturridge, la petite balle piquée pour Suarez. Suarez qui contrôle, le gardien qui sort une nouvelle fois, hop. Et une nouvelle fois, ça rentre, le petite balle piquée, le lob. 6 buts à 2 en fin de rencontre. Donc voilà, fin du match, l'arbitre qui siffle la fin de ce match. Victoire, 6 buts à 2. Bon bah victoire, 6-2, c'est parfait, Sturridge en forme, Suarez pareil, toute l'équipe a super bien joué, Ramsey petite passe décisive, Gerrard il en a fait 3, voilà, un vrai mossé quoi, quadruplé de Sturridge, un petit doublé pour Suarez, donc voilà les deux buteurs qui ont planté, victoire 6-2, pour terminer la vidéo c'est parfait les gars, donc voilà, 14 tirs, 12 cadres, voilà, tout est nickel, c'est bon, on est bien, Donc voilà, 8ème match sans défaite. On va essayer d'aller le plus loin possible, les gars. En tout cas, je vous remercie à tous pour le soutien que vous m'accordez, à me suivre sur les réseaux sociaux et pendant mes lives. Parce que voilà, cette semaine, j'ai fait quand même 5 vidéos en une semaine, les gars. Je pense que c'est mon record. Je pense pas. Vous attendez pas à ce que ce soit comme ça toutes les semaines. Je pense que je vais redescendre à 3 ou 4. Mais voilà, cette semaine, c'était spécial. Je me suis dit, j'avais le temps. Donc 5 vidéos dans la semaine, les gars. Ça me fait plaisir. En plus de ça, j'ai fait 2 voire 3 lives si j'en fais un ce soir. Donc voilà les gars. Toujours utile que je vous dis à tous de passer une bonne fin de week-end. Portez-vous bien les gars. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de la série Invincible avec cette grosse équipe TOTS. On a 8 victoires. Belle équipe TOTS, même magnifique. Donc voilà les gars. Passez à tous une bonne fin de week-end comme je vous ai déjà dit. Ciao les gars, c'était Flo. Nox aux manettes.